Cette semaine, nous allons te demander quelle partie du chant de Hanerot Hallalou chantons-nous même pendant Shabbat? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Après avoir allumé les bougies de Hanouka, nous chantons le chant traditionnel de Hanerot Hallalou dans lequel nous remercions Hachem pour tous les miracles qu'il nous fait. La date de la composition de ce nigun n'est pas connue, mais nous savons que ce nigun fut chanté plus d'une fois dans la ville de Lubavitch en Russie par la chorale de la yeshiva Tomchet Mimim. Durant les 15 premières années où le rabbi était à la direction du mouvement Chabad, la coutume était qu'un chassid allumait la menorah après la tfila de Mincha dans la shul du 770. Et ensuite, il lisait à haute voix le passage de Hanerot Hallalou depuis son sidour. Seulement trois soirs de la fête, les chassidim chantaient le passage de Hanerot Hallalou après l'allumage. C'était le premier soir, le cinquième soir et le dernier soir de Hanouka, qui est nommé aussi Zot Hanouka. Quelques années plus tard, le chant de Hanerot Hallalou commença à être chanté tous les soirs de la fête après l'allumage des bougies. Parfois, le rabbi prenait part dans le chant. Cette vidéo est un extrait de l'allumage public intercontinental de l'année Tafshin Nunbet dans la grande choule du Rabbi. Cette année-là, les chassidim qui se trouvaient dans différents pays organisèrent un allumage public dans leur endroit avec une retransmission directe par satellite de l'allumage public de la choule du Rabbi. Après qu'on alluma les bougies, l'assemblée qui se trouvait sur place ainsi que ceux qui participaient par connexion satellite commencèrent à chanter Hanerot Hallalou. Ce fut la première fois que depuis les quatre coins du monde était chanté simultanément le même chant, le chant de Hanerot Hallalou. Pendant que les chassidim chantaient, le rabbi encouragea de sa sainte main tous les pays qui défilaient en boucle sur l'écran qui était entreposé devant lui. Lorsqu'arriva le tour de la France, le rabbi intensifia son encouragement, ce qui enflamma le public français qui se trouvait devant la tour Eiffel avec la menorah géante allumée. Au nom de tout le monde qui s'est rassemblé ici, on dit au Rebbe le Chaim, le Rebbe nous a en gesund, l'il me a, nous allons faire un kerg Mashiach Tzidkeinu. This occasion. Thank you.
Une fois, le rabbi précisa que pendant Shabbat, nous ne devons pas chanter l'intégralité du chant de Hanerot Halalu, mais seulement sa dernière partie. La raison à cela est que pendant Shabbat, nous faisons attention de ne pas parler de choses qui sont interdites à l'utilisation durant Shabbat, en l'occurrence les bougies. En effet, à plusieurs reprises, le rabbi commença ce nigoun pendant Shabbat depuis la dernière partie, celle qui commence par les mots « Al-Nisera ». Que nous puissions très bientôt allumer la menorah dans le troisième Beth Amikdash avec le rabbi à notre tête. La question de cette semaine est « Quelle partie du chant de Hanerot Halalu chantons-nous même pendant Shabbat ?» Dans la vidéo numéro 12, la question était « Quel cadeau les chassidim ont offert au rabbi en l'honneur de ses 40 ans de mariage ?» La bonne réponse est « Ils l'ont rajouté dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. » Le gagnant de cette semaine est Mendy Luz de Neuilly-sur-Marne. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Menachem Mendel Uzan de Abuja, Nigeria, à Moussia Koulski de Paris et à Libby Chayamushka Atal de hier. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut, que vous puissiez être des soldats fiers de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.